Cette vidéo vous est présentée par Magic Mic. Magic Mic est un logiciel gratuit, facile d'utilisation, qui permet de modifier ta voix en temps réel. C'est un outil léger et rapide à installer. Avec Magic Mic, tu peux changer ta voix à tout moment, quel que soit le micro ou le logiciel de discussion que tu utilises. Fais des blagues à tes amis sur Discord. Oui, je sais, ça résonne, je suis en train de jouer dans mes toilettes. Sème le trouble chez des collègues sur Zoom. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne vous entends plus. On fait peur à mamie sur Skype. Oh, il y a un petit peu un problème au niveau de la gorge. Magic Mic fonctionne avec tous les outils de discussion du marché. Tu peux aussi utiliser directement Magic Mic en jeu, histoire de troller les autres joueurs avec classe. Mais c'est pas tout, le soft met à disposition des centaines d'effets sonores que tu peux utiliser à la volée pour agrémenter tes streams Twitch ou mettre du peps dans tes vidéos YouTube ou tout simplement pour t'amuser. Magic Mic c'est gratuit, c'est près de 30 modificateurs de voix à utiliser en temps réel, 200 effets sonores rigolos, un logiciel totalement traduit en français, une utilisation fonctionnelle sur tous les jeux et toutes les plateformes de discussion, bref c'est un incontournable si tu utilises régulièrement ton micro. Tu peux télécharger gratuitement dès maintenant Magic Mic, lien en description de la vidéo. Bonjour Internet, bonjour les amis, ici Kazamania, bienvenue à tous et à tous sur votre série du week-end, à savoir la Select Free to Play PC. Si vous débarquez à tout hasard sur cette chaîne, sachez que chaque samedi matin, je vous propose 5 jeux gratuits, téléchargeables et jouables dès maintenant sur PC. N'hésitez pas à nous partager en commentaire de la vidéo vos jeux gratuits du moment. J'en profite pour vous rappeler qu'avec Instant Gaming, partenaire de la chaîne, vous pouvez gagner tous les mois le jeu de votre choix. Je vous encourage donc à participer de manière mensuelle. Le lien est en description de la vidéo, la participation est gratuite et ça ne prend pas plus de 30 secondes. Vous retrouverez sur ma chaîne YouTube tout plein de vidéos en rapport avec les MMO, les jeux en ligne, les jeux gratuits, bref, pas mal de contenu pour découvrir des jeux et se faire plaisir. Merci d'avance pour vos pouces vers le haut, partage et abonnement, ça aide. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux arrivants. Les amis, mettez-vous à l'aise, le week-end est là, on se détend avec la Select Free to Play PC numéro 230. On commence directement cette sélection, Free to Play numéro 230 avec Doomsday Dispute. Doomsday Dispute est un jeu gratuit massivement multijoueur mêlant stratégie, gestion de base et combat PVP. L'action se déroule en 2200. La Terre est un véritable ramassis de miséreux où la violence est omniprésente. Seuls les plus fortunés ont pu quitter la planète bleue pour d'autres horizons. Vous faites partie d'une certaine élite et vous revenez sur Terre afin de créer une nouvelle colonie et de sauver le plus de personnes possible. Mais vous l'avez deviné, ça ne se fera pas aussi facilement. Le soft propose plusieurs approches qui se combinent parfaitement. On trouve de la gestion de colonies pure et dure avec une base à améliorer, des troupes à entraîner, des ressources à farmer et de l'exploration. Vous pourrez défendre votre ville, en attaquer d'autres ou écumer le monde à la recherche de camps de bandits de trésors. Les combats se font en temps réel, ils sont assez dynamiques et détaillés, vraiment ils sont plaisants à regarder. En plus des unités de base que vous pourrez former comme tout bon jeu de stratégie, vous aurez la possibilité de recruter des héros, sorte d'unités élites qui évoluent avec le temps et deviennent de plus en plus forts. Le côté MMO n'est pas en reste avec des milliers de joueurs en ligne avec lesquels vous pourrez commercer, vous entraider ou à l'inverse agresser pour récupérer des ressources, tout est possible. Doomsday Dispute est un très bon jeu de stratégie, gestion dans un univers massif et permanent. En plus il propose une ambiance post-apocalyptique à la Mad Max vraiment réussie. Vous pouvez télécharger dès maintenant Doomsday Dispute via Steam. Toute autre ambiance maintenant, je vous emmène découvrir Frankenstorm TD. Frankenstorm TD est, comme son nom l'indique, un tower defense gratuit dans lequel vous incarnez le docteur Frankenstein. Le but du jeu est extrêmement simple, vous devez défendre vos expériences en cours avec notamment la création de votre monstre face aux vagues de villageois manifestement très mécontents de vous voir faire des essais quelque peu contre nature. Alors attention, sous ces airs un peu simplets, le soft est hyper complet et propose des mécaniques de jeu très bien pensées pour un tower defense. Par exemple, il faudra bien relier vos tourelles de défense entre elles tout en assurant un maintien continu de la tension électrique. Frankenstorm TD intègre des éléments de roguelite avec des bonus à choisir au fur et à mesure des niveaux, ce qui change radicalement votre façon de jouer à chaque nouvelle partie. Même si le soft se joue en solo, il propose un système de rang et de classement au niveau mondial. Vous pourrez ainsi mesurer vos efforts en comparant les résultats des autres joueurs. Enfin, contrairement à la majorité des Towers Defense qui proposent des maps à chemin statique, ici c'est vous qui définissez les voies de passage de vos ennemis grâce à une enfilade de tourelles électriques que vous pourrez placer librement.
Réfléchissez bien à comment les positionner afin de créer des labyrinthes les plus longs possibles. Rapide à télécharger et installer, tournant sur la majorité des PC, même modestes, si vous en avez marre des tower defense trop simples qu'on retrouve sur mobile par exemple, je vous conseille vraiment d'essayer celui-ci, vous ne serez pas déçu. Frankenstorm TD est à retrouver dès maintenant sur Steam. Allons prendre l'air avec un jeu gratuit qui nous revient tous les ans, c'est une ritournelle. Voici Soccer Manager 2022. Soccer Manager 2022 est un jeu gratuit de gestion et de management de clubs de foot. Vous connaissez sans doute la licence Football Manager, qui reste bien évidemment la référence ultime en la matière, mais qui est payante. Et bien si vous avez envie de vous mettre à ce genre de jeu, mais sans rien payer, la meilleure solution reste donc d'installer et de jouer à Soccer Manager. Alors on pourrait comparer longuement les deux softs, et vous vous en doutez, Football Manager, qui est un jeu payant, en sortirait gagnant. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi Soccer Manager 2022, qui est free-to-play, est un très bon compromis. Tout d'abord, le titre est sous licence FIFA Pro, ce qui permet de retrouver plus de 25 000 joueurs officiels, 900 clubs répartis dans 35 pays. Pour ce qui est du côté gestion de club, on retrouve tout ce qu'il faut, contrat pour les joueurs, construction du stade, prix des places, choix des sponsors, etc. Pour le côté coaching, vous aurez tout un choix d'entraînement sur mesure, vous pourrez créer et mettre en place des tactiques de jeu et même interagir directement durant les matchs. Le point faible de ce Soccer Manager 2022 est sûrement le moteur graphique et le rendu en temps réel des rencontres sur le terrain. Les modèles des joueurs ne sont pas spécialement beaux. Mais bon, je vous rappelle que pendant des années, nous avions des pastilles à la place de joueurs sur Football Manager. Bref, si vous êtes des amoureux du ballon rond, si vous aimez les sports et les jeux de gestion, mais que vous ne voulez rien dépenser, Soccer Manager 2022 est un très bon choix. Vous pouvez télécharger Soccer Manager 2022 dès maintenant via Steam. Allons faire un tour sur l'OGS avec les offres de la semaine. On commence tout de suite avec Wild to Learn. Wild to Learn est un jeu très étonnant, mêlant puzzle, logique et programmation. Allez, à première vue, ça ne vend pas du rêve, mais si je vous dis que dans l'histoire, il y a un château mignon, ah, je vois que ça vous intéresse du coup. Voilà le concept, vous incarnez un jeune programmeur en informatique qui développe des réseaux neuronaux artificiels. Sauf que votre chat, il est plus doué que vous. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Eh bien, se mettre au travail et développer un logiciel permettant de traduire ce que dit votre chat. Pas facile d'expliquer le gameplay à proprement parler de ce titre qui sort complètement des sentiers battus. C'est de la logique pure et dure, de la programmation visuelle et de l'algorithmique. Wild to Learn peut être une super expérience pour ceux d'entre vous qui commencent à apprendre des langages informatiques et qui s'intéressent au codage en règle générale. La difficulté va croissante, si bien que vous allez d'abord apprendre à assimiler des concepts de base avant de passer à des étapes un peu plus complexes. J'ai été bluffé par ce jeu, autant être honnête avec vous. En tant que joueur qui aime les puzzles et les jeux de réflexion, on peut vraiment se faire plaisir. Et en tant que développeur du dimanche en pantoufles, c'est le kiff total. Wild to Learn apporte des connaissances en plus de divertir. Au fur et à mesure des tâches que vous allez accomplir, vous gagnerez de l'argent que vous pourrez réinvestir dans des vêtements pour chat. Voilà, tout est dit, ce jeu est génial. Wild to Learn coûte habituellement 12€, mais vous pouvez le débloquer gratuitement et ce pour toujours sur votre compte Epic Game Store si vous passez le prendre entre le 2 et le 9 décembre. Après, il sera trop tard. On termine cette sélection Free to Play numéro 230 avec le super bon plan de la semaine, c'est Dead by Daylight. Dead by Daylight est un survival horreur multijoueur qui se joue en ligne. Si vous avez pour habitude de rôder sur Twitch TV, vous connaissez sans doute déjà ce jeu qui est souvent streamé depuis sa sortie en 2016. Sinon, je vais vous expliquer le principe. En gros, le soft vous propose de rejoindre une partie en ligne dans laquelle un groupe de survivants, généralement 4 ados sans défense, doivent survivre et s'échapper des griffes d'un grand méchant bien costaud. L'équipe des survivants va devoir accomplir plein de mini-tâches pour espérer s'enfuir de la map. Le travail d'équipe, la communication et l'entraide sont ultra importants. De son côté, le grand méchant, joué par un joueur, dispose de capacités uniques permettant de traquer et de trucider ses proies. À savoir que les survivants n'ont aucun moyen de combattre frontalement ou de blesser le tueur. Ils ne peuvent user que de ruses et de stratagèmes. Vous avez saisi le concept de base, mais attendez, ce n'est pas tout. Le soft intègre des vrais méchants qui hantent depuis plusieurs générations la pop culture. Effectivement, on retrouve pas mal de serial killers tirés de films type slasher. Dans Dead by Daylight, vous pourrez par exemple jouer Michael Myers, le méchant d'Halloween, Leatherface, le méchant de Massacre à la tronçonneuse, ou encore Pinhead, le cinglé de Hellraiser.
Même si le jeu a bientôt 6 ans d'existence, il reste encore très populaire et ses graphismes et sa direction artistique sont encore de bonne facture. Les cartes explorables sont glauques à souhait, les effets de sacrifice et de mort sont pleins de sang et mettent mal à l'aise. Bref, c'est à réserver aux plus grands, mais c'est ultra bien réalisé. Que vous soyez fan de films d'horreur et de la culture cinématographique qui va avec, ou que vous aimiez tout simplement les jeux multijoueurs asymétriques, Dead by Daylight est un incontournable à essayer d'urgence. Je vous conseille d'y jouer entre amis, votre expérience de jeu en sera grandement renforcée. Distribué dans les 20€ habituellement, vous pouvez débloquer gratuitement et pour toujours Dead by Daylight sur votre compte EGS si vous le prenez entre le 2 et le 9 décembre. Après, il sera trop tard. Voilà les amis, c'était ma Select Free-to-Play PC numéro 230, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous partager vos jeux gratuits de moment. Encore merci pour votre soutien, vos commentaires et vos pouces vers le haut. Vous retrouvez tous les jeux suscités en description de la vidéo ainsi que les liens importants tels les réseaux sociaux Bon Plan et Instant Gaming, partenaires de la chaîne, pour trouver vos jeux à prix cassé. Les amis, amusez-vous bien sur vos jeux préférés, je vous dis à bientôt en vidéo, prenez soin de vous, paix et félicité, c'était Kaz.